The Two Guys One News with Ron DeLay and Mike Ruffin. Bonjour, je suis Mike Ruffin. Et bonjour, je suis Ron DeLay. Et vous regardez le Two Guys One News. Actualité, la Ligue des otages libérés accueille une nouvelle mort, Cathy Holmes. Oui, après 7 ans de calvaire passé auprès de son ravisseur Tom Cruise, Cathy Holmes déclare, tu sais, être une otage libérée, c'est pas si facile. Un message qui plaira à Anton Tsuki et Ingrid Betancourt. Politique, Marion Maréchal-Le Pen du Front National est devenue la plus jeune députée de l'Assemblée Nationale. Et oui, devenant ainsi le fantasme numéro 1 de la population noire française. Politique toujours, sans gouvernement, le mariage gay, c'est pour 2013. Oui, c'est une bonne chose, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les hétéros qui en chient. N'est-ce pas? Sans transition, philatélie, le France... Mais alors. Ouais. C'était quoi? Faux numéro. Fait divers. Michel Télizarazo a été arrêté pour le meurtre des joueurs de foot Batistos et pour tentative de meurtre sur Poligno. Ouais, il a mangé Batistos, a déclaré l'un des témoins. Sordide. Avec Guy Varche et ses piscines, encore un bleu qui touche le fond. Siri, le massacre continue. Oui, Apple réagit et se prépare à sortir une mise à jour. Politique encore, Chanad Tcheguedi, un député hongrois antisémite dirigeant du parti d'extrême droite, a révélé avoir des origines juives. Il est en duplex avec nous. Bonjour Chanad, quelles sont vos réactions après cette découverte? Oula, des petits problèmes de liaison avec la Hongrie, je pense. Oui, on revient vers vous, Chanad Tcheguedi, dès que la connexion est rétablie. Dans le reste de l'actualité football, Laurent Blanc raccroche. Il n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France, il est remplacé par Didier Deschamps. Oui, et suite à cette information, Franck Ribéry aurait déclaré « Ah que c'est dommage, que Laurent Blanc c'est quelqu'un que j'aime bien, mais que le nouveau coach, qu'il est fort aussi, et que le boulot avec, ça aurait été bien. » Ouais, un beau message d'espoir donc. Musique du monde, Faudel aurait mis sa carrière entre parenthèses pour devenir gérant de K-pop. Oui, nous tenons donc à signaler à Zaz qu'une sandwicherie serait à vendre dans le 10e arrondissement. Showbiz, l'artiste Babas est un humoriste. Oui, une information à mettre au conditionnel. Showbiz, l'artiste Babas serait un humoriste. Voilà, conditionnel c'est mieux. People, Clara Morgan épouse son compagnon, vive la mariée, donc en blanc le matin, enfoncé le soir. Évidemment, une question d'honneur, qui a eu droit au boukake de la mariée? Fait divers, un Zimbabwéen viole un poulet et se suicide après avoir été secoué par sa femme. Ouais, sans transition, Ron, KFC sortirait sa nouvelle recette, le bucket de poulet à la crème. Voilà de quoi ravir tous nos amis africains. C'est raciste. Ouais, mais c'est vrai. Technologie, après 30 ans de bons et loyaux services, nous venons d'apprendre la mort du Minitel. Oui, cette fois c'est sûr, le 3615 est plus là. Un petit peu d'humour, Ron, ça n'a jamais fait de mal. Hein. Sport, Anthony Davis, un espoir de la NBA, veut faire de son monosourcil une marque déposée. Oui, Emmanuel Chien qui aurait fait la démarche en 1984, porte plainte. C'est la coupe, Davis. Jeux Olympiques, Oscar Pistorius sera le premier athlète handicapé à courir aux côtés des valides. Oui, Ladji Doucouré sera quant à lui le premier athlète valide à courir avec les handicapés. Il fait beau, il fait chaud, tout de suite on retrouve Ted Aurier pour le point météo. C'est à vous Ted. Oui, merci Ron. Tout de suite, le point météo. Comme vous le voyez, je me situe actuellement sur la plage de Palavas-les-Flots, cette magnifique plage du sud de la France où aujourd'hui il fait plus de 35 degrés, où il faut vraiment se couvrir la tête. Et oui, dans ce beau département de l'Hérault, il fait vraiment très chaud. Ce département qui abrite bien sûr la ville championne de France de football, le Montpellier Hérault. Le Montpellier Hérault, c'est quoi le Montpellier Hérault? C'est la paillade, c'est la fête, c'est la vie. Tu savais que Moustachu rime avec bouffeur de cul?
Je dirais un petit repas avec moi. Une bonne bouteille, un peu de musique. Il y aura peut-être un petit peu de sexe. La suite donc. Sans transition, People, Tom Cruise serait en bonne position pour obtenir l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de l'époux hétéro de Katie Holmes. Un rôle de 7 ans. Belle perte. Merci de nous avoir suivis, c'était Ron Delay et Microphone pour le Two Guys One News. Et n'oubliez pas, chien qui s'encule, canicule.